Et salutations super guerriers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle on va enfin parler de mon manga préféré. Je veux bien entendu parler de One Piece, mais malheureusement, ça a beau être un bon manga, voire un banger de rang S pour certains, ça ne lui empêche pas d'avoir des défauts comme toute œuvre d'ailleurs. Et on va parler de ma plus grosse déception, le Gear 5. Alors, le G5 est apparu pour la première fois dans le manga, dans le scan numéro 1044 nommé Le Guerrier Libérateur, et également dans le très célèbre épisode 1071. Alors même si j'ai beau détester cette forme, faut bien avouer que le lore autour de cette dernière est plutôt sympa. J'aime bien le délire de Dieu Soleil qui est mis directement en opposition avec Barbe Noire, un être maléfique et malveillant justement. Nika est un dieu libérateur qui est là pour sauver la population avec un sourire à la All Might un petit peu, donc ça c'est cool. De plus, je trouve que cette transformation a un très beau chara design. Déjà le blanc est l'une de mes couleurs préférées, donc pour commencer on part d'un bon pied. Et puis c'est juste parfait pour la dualité ombre-lumière avec Barbe Noire. Les yeux rouges-rosés de Luffy vont parfaitement bien avec le blanc de la tenue. Mais ça s'arrête là. Selon moi, tout le reste est mauvais en fait. Au niveau du flow, c'est vraiment pas ouf. Luffy est encore plus insupportable que d'habitude. Déjà, quand en normal, il passe son temps à faire le clown pour amuser la galerie. Là, c'est encore pire. C'est vraiment du fois 100. Il passe son temps à rigoler et à s'amuser pendant les combats. Ce qui fait que la pression et la situation d'urgence sont complètement détruites. Quand tu le vois se battre, t'as l'impression qu'on n'a plus aucun enjeu, et ça c'est pas normal. En plus de tout ça, il se paye le luxe de ridiculiser Kaido, déjà que ce dernier s'était ridiculisé tout seul, avec la scène où il est totalement ivre. Donc ça n'arrange pas vraiment les choses. Alors, je sais très bien que c'est le but de la transfo d'être marrante, entre guillemets parce que même ça c'est raté je trouve. Je suis pas fan du délire cartoon qu'il y a avec, et il y a littéralement aucune scène qui m'a donné envie de ne serait-ce sourire. À la limite, ça m'aurait amusé si j'avais 6 ans, mais c'est tout quoi. T'as l'impression que Oda pense que seuls les enfants regardent son manga et que ces derniers ne grandissent pas, alors que bah c'est faux pour le coup. Et en fait, avec le G5, j'aurais bien aimé avoir une transfo plus serious business, style Ultra Instinct par exemple. Goku Ultra Instinct, il a une prestance et un flow incroyable. Il a même pas besoin d'ouvrir la bouche pour faire parler de lui. Donc c'est pour dire. Je dis pas que Luffy G5 devrait être full sérieux, non, loin de là. J'aurais voulu qu'il soit beaucoup plus sérieux, mais avec une petite touche de rigolade pour garder l'esprit Luffy. Ça aurait été vraiment parfait. Comment tu veux prendre de sérieux un mec qui passe son temps à se marrer? C'est impossible. Et d'ailleurs, je crois bien que ma transformation préférée de Luffy restera le G4 Snake Man. Donc voilà, pour moi, le Gear 5, c'est vraiment une déception. Mais on espère que dans le futur, la transformation évoluera. Et que Luffy prendra beaucoup plus en maturité. Enfin bref, c'était tout pour moi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!